Elle a accepté de donner son témoignage sur sa vie en prison, à visage caché, pour son intimité. Meda, 33 ans, son mari resté en prison et sa seule famille. Le cours de sa vie a basculé un matin lorsqu'elle a été tirée de son sommeil. Accusée de faire partie d'une bande pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Condamnée en flagrance à la peine capitale, elle est acquittée en appel après 2 ans de prison ferme. Ses 3 enfants, dont un âgé de 3 mois, ont été aussi faits prisonniers. Dormir dans les mauvaises conditions, j'ai vécu cela pendant une longue période. Une douche pour 25 personnes. Mes pagnes m'ont servi pendant les périodes de menstruation. Nous partageons la même cellule avec les malades mentales et les épileptiques. J'ai été agressée pendant mon séjour en prison. Le couloir de la prison, le séjour de mort. Mami Meda a eu à penser que tout était fini. J'ai été malade en prison, sans médicaments. Mon fils m'a rejoint. Il convulsait. J'avais pensé mettre fin à nos jours. La vie des femmes en prison, souvent un calvaire. Mamie a été sauvée grâce à l'assistance judiciaire de l'ONG Outre-Neuve. Maître Charlène Yangazo a pris en charge son dossier. J'ai joué sur le non-fondement. J'ai démontré que les infractions qui étaient mises à sa charge n'étaient pas fondées. En 6 ans de vie, Outre-Neuve dénonce les conditions de détention des pensionnaires femmes. Puisqu'il n'y a qu'un seul pavillon réservé aux femmes, c'est-à-dire que toutes les femmes des différentes catégories s'y retrouvent. Là, on ne tient pas compte de leur âge, on ne tient pas compte du degré de leur criminalité. Ces femmes, à mon avis, n'ont pas droit à l'intimité parce qu'elles sont obligées de tout faire au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui libre, Mamie et ses 3 enfants passent des nuits dans des permanences des églises à Kinshasa. Une instabilité qui compromet l'avenir de la maman et celui des enfants qui ont abandonné l'école. La liberté a perdu toute sa saveur. La réinsertion est difficile. Le moral est bas.